Salut YouTube. Bon, je sais la coupe elle est désastreuse. Pose pas de questions, je vais aller chez le coiffeur. Dans tous les cas, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis avec Boukada, challenger, joueur professionnel à LFL pour la team Géo. Donc très très gros joueur. Et tu vas le voir, les mécaniques parlent d'elles-mêmes. Une vidéo où tu auras plus de 12 kills en 4 minutes, ce qui est une folie absolue. Alors attention, tu le sais dans sa challenge, c'est pas parce que tu prends 12 kills en early que la game est gagnée. Je t'en dis pas plus, est-ce qu'elle est gagnée, est-ce qu'elle est perdue? Le titre, vous allez me dire, oui mais risque du spoil. Ce n'est pas du spoil. Voilà, juste regarde, apprécie. Comme d'habitude, tu commentes pas et tu commentes après la vidéo pour me dire ce que tu as pensé de ce que tu as vu. Petit message aussi, rapide, pour vous dire que n'oubliez pas que ce concept, c'est juste du content, c'est du fun. Avant tout, c'est du plaisir. En ce moment, j'ai beaucoup de commentaires. Oui, il y a des smurfs, il y a des machins, il y a des trucs. Oui, il y a sans doute des smurfs, peut-être. Il y en a peut-être pas. Oui, il y en a qui jouent bien, il y en a qui jouent mal. Oui, le challenge, c'est de la RNG. Donc, pour ceux qui savent pas de la RNG, c'est de la chance. C'est est-ce que comment les joueurs vont se comporter, quels champions ils vont pick, comment ils vont jouer. Il y a des mecs qui tryhard, il y a des mecs qui sont là juste pour le fight. Ça dépend à chaque fois. On est juste là pour passer un bon moment, que ce soit les invités, les bronzes et vous qui regardez, c'est juste du contenu. Ne prenez pas ça premier degré, c'est pas du tout le but du concept. Juste c'est de voir des plays, de vibrer au final, de vibrer devant le concept. Laisse un petit like, un petit commentaire, rejoins-nous sur Twitch. Et si tu veux venir participer, toi, le viewer qui regarde, au challenge, j'ai ouvert sur mon Discord un recrutement de joueurs pour tenter un 1v5. Donc si tu penses avoir le niveau et que tu veux venir tenter ta chance, pour tenter ce challenge, rejoins le Discord et mets dans Viewer vs Bronze. Voilà, il y a déjà énormément de candidatures. Je prendrai mercredi, je sélectionnerai 3 personnes qui pourront tester le challenge de leur côté. Voilà, tout simplement. Laisse un petit like, un petit commentaire. Rejoins-nous sur Twitch, pense à t'abonner à la chaîne YouTube. Ça aide énormément et j'espère que ce contenu te plaira. Surtout, commente à la fin. Reste tranquille et commente à la fin, tu vas te régaler. Les bronzes, du coup, vous connaissez les règles. Elles sont assez simples, c'est-à-dire pas d'anathéma. Pas de ban, pas de vocal et pas le droit de faire ni Herald, ni Grubs, ni Nashor. Et toi, Boukada, t'as le droit de faire ce que tu veux, c'est-à-dire de faire les Grubs et tout. Faut voir. Hein. Là, je suis un V1 ou un V2 déjà, c'est la question. Ah, c'est la Fiora qui est au top, non, c'est pas le Yon. Ah, ils ont fait Yon Yasuo au bot, qu'est-ce que c'est ce temps. Après, le problème, c'est le push des waves, quoi. Ouais. Ils vont push à fond au bot. Tu les connais bien tes trades, déjà ça se voit. My dream, le passage niveau 3, kill top, une tout TP bot doublé, et c'est win. Bien joué à toi. Doublé, mais en vrai, tu penses que je suis obligé d'aller bot là, parce qu'ils m'ont push vite quand même. Ça push très très vite. Hein. Déjà une plaque. Oui, oui. Je pense que je vais push ça vite, base aller bot. Sur un malentendu, je tue Fiora, mais. Faudrait vraiment qu'elle int. Ils ont quasiment pris 3 plates, c'est abusé le... Ouais, c'est abusé hein. C'est abusé. Après là je peux aller un V2. Ok. Ok. Là faut pas prendre le corps et je vais le prendre maintenant. Ça commence. C'est bon, ça commence. Mais tu vas avoir les proxys là. Tu penses de vrai? Ah frérot, je pense que c'est très fort de les proxys, de les empêcher d'XP. Hein. Si tu leur mets 4 levels, c'est win. Wow. Oh non, je peux pas proxy, je pense. Je vais juste back, j'ai 1k5. C'est le moment de dépenser ses gold. Alors Viego, finalement, avec du recul. Après, c'est que le début, hein. Oui, mais bon, 3-10 items de plus, mon frérot. Après, sûr que c'est pas avec Twitch que j'aurais fait triple. En plus, la Diana décale. Non, c'est la merde, c'est Akali. Akali push pas. Ouais, juste Shura qui est un peu chante. Après, il a pas l'air très fort dessus, donc je pense que je gagnerai l'1v1 plus tard. Mais surtout que t'as 1v3 avec un level d'écart. Mais le Yasuo se fait fumer par les sbires, t'as vu sa HP? Je sais pas ce qu'il fait. Ok, là, je tue les deux normalement. Je vais juste focusionner. Et la strat, c'est d'ulti quand Yone va essayer de me tornade. S'il essaye. Ouais. Je gagne ça normalement.
truc, c'est encore une fois, là, je pourrais essayer de proxy, mais avec ma HP, ça paraît compliqué. Après, t'es niveau 7. Non, en vrai, je back, j'ai mon item. Cet item fait trop mal. Ah, mais le truc, c'est que je prends les triples en boucle, donc je suis obligé de back, faut que mes gold. Frérot, t'es en train de choc bar tout le monde. Ça, t'es commencé à écrire en majuscule. Ça commence à spammer dans le chat, on commence à être 500. C'est une bonne run, mon frère. Ça me paraît pas dégueu. Là, je me demande si tu fais pas 1v3, no joke. Si j'arrive en one shot 1, ouais, non, c'est faisable. Oh! Je pense que je perds ça. Ah, quoi que. Non, je gagne ça. No way! Penta kill à 8 minutes! Vous pouvez clipper la team? Non mais c'est trop grave! Et tu m'as dit quoi? Non mais Diego, je le sens pas! Non mais c'est bon! Oh là en fait, là! C'est, je crois que c'est la run la plus choquante que j'ai vue, genre. Tu viens de faire 8 kills d'affilée là. J'arrête League of Legends, frère. J'arrête League of Legends, frérot. C'est trop. Là le move que tu viens de faire est juste stratosphérique. Je, frérot, c'est pas possible. C'est la plus belle run que j'ai vue du rush, frère. C'est what the fuck. Ah, faut que je back. Le problème, c'est que j'ai pas le temps de back là. Bah, 20-0 à 9 minutes, ça me paraît pas mal en vrai. Ça va, mais c'est T2. C'est à chaque fois dans mes games, quand je parle à T2, la game part en cacahuète. Je vais essayer de les garder. Après, cette fois-ci, tu peux vraiment 1v5 pour le coup. Ouais. Faut que je trouve la Fiora. Bon, c'est pas Fiora, mais. Je crois que je vais. Bon, parfait. Là, faut que j'aille chier au bot. En fait, j'ai l'impression que je dois traverser la map en boucle et mais ça empêche de push. Ils se suicident là? Mais ils font quoi? Bah. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça arrive des fois, ça arrive dans le run, t'inquiète. Ok. Je vais back et je vais open où la Fiora est sur la map. Faut absolument okay. Que je la match. What, pourquoi il a arrêté de jouer? Elle attend de voir où t'étais. Ok. Fiora push pas bot, j'ai de la chance. Peut-être sur un push mid. Ah la Fiora. Ah là c'est pas mal par contre. Ouais. Je l'ai eu. Non, bien joué. Ah après peut-être je la tue quand même. Ouais, j'ai. Pour ami. La violence de la run me met très très bien. C'est elle ma cible. Oh bien, très très belle parade de la Fiora d'ailleurs. Ouais. Ok, c'est exactement ce qu'il me fallait. Et là c'est un période de push. Oh l'enfer.
Non, le Yon, ce qu'il voulait faire, c'est attendre de voir où était le Viego pour flash le mur, Grecos, c'est pour ça. Ok, on va back. Comme ça, ça fait un 2 push-up plus loin au top, prochaine fois que je la tue. Je pense que je suis obligé de trade ça. En T3, c'est mort, je vais TP. Après, là, tu fais mal au tour quand même. Ouais. Ok, big. Shutdown d'objectif, ça me termine. Moi, je sais juste pas comment tu vas réussir à finir cette game. Après, maintenant, tu pushes plus vite que je pense. Ah, il te trahit tout tour, c'est terrible. Je pense qu'ils ont... c'est que, je vais c'est, que c'est terrible parce que je crois qu'ils ont voulu vraiment te baiser en faisant Janna Yasuo Yon, en faisant Yasuo Yon bot pour qu'ils détruisent rapidement les tours en vrai. Au final, ça les a bah, en vrai, tu... ça vous a surpris au début. Hein. Ouais. Wow. C'est compliqué, j'ai pas pu push out bot. Bah, je peux les jeter. Il y a pas un monde où tu fais un tout droit mid, no joke, et tu gagnes la game là. Bah, ce que je me dis. Parce qu'il y a mon en fait, il faudrait que j'en tue deux. En fait, si je peux tuer Fiora, je pense qu'on peut tenter ça. Mais avant, c'est compliqué. Fiora est top en plus. Ok. J'ai trouvé ma cible. Elle va reculer là, forcément. Et moi, je vais aller sur elle. Là, leur temps de respawn commence à être long en plus. Peut-être elle est dans ce bush, non? Non. Ah, c'est une... ça commence à être une course contre la montre, les gars, en vrai. Je suis obligé de TP. En vrai, là, c'est le run mid. Hein. En vrai, no joke. Toutes les wave push. Je pense que t'es obligé d'un V5 mid pour finir cette game. Je fasse gaffe à wave bot. Et aussi, tu protèges cette génération de sbires là. Ward là. Ok, t'as peut-être Yasuo là. Même c'est sûr. Ok, ouais. Big. Fiora est très loin top. Ok. Peut-être maintenant, chef. Hein. Oh, c'est bien joué, putain. Okay, oh, quoi? Je pense que c'est le moment. Hein. C'est le moment, frérot, là. Elle est où la vague de Fiora? Oh, elle a plus de... elle est en avance par rapport à moi. Sa vague est là. Après, elle met du temps. Hein. Elle a Hydrovora, c'est le one shot. Hein. Après, je fais tour plus vite qu'elle. Je pense que c'est le moment de flip. Hein. C'était obligé, je pense. Là, t'es vraiment obligé. Ouais, parce que je pourrais jamais être aussi strong. Je pense qu'ils vont venir défendre. Hein. T'es vraiment pas. Tu vas plus de queue quand même. Prends le flip. Moi je prends le flip, je prends le flip. Je pense que je peux ignorer et prendre la tour. Ah c'est chaud. Ok. Ok la Janna back. Ça fait un moins. Je pense qu'ils vont flipper là. Je pense qu'ils vont flipper gros. Attends mais tu finis là avant. C'est vraiment close. Oh putain. Je pense avec le Hellbreaker je peux hein. Ouais je pense, je te jure je pense que tu finis avant eux gros. Il tape l'inhib, il tape l'inhib. T'as gagné. Gros je crois que t'as gagné. Bukata. Bukata mon frère. Attends. Oui. 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 Au bout. Allez. Allez. Oh putain. Oh putain. Oh mon dieu. Let's go. La run elle est incroyable. Oh. Mec t'as fait 10 kills en 3 minutes frère. Tu te rends compte de cette data? 10 kills en 3 minutes. T'as voilà la run. T'es pas mort une fois frère. Tu n'es même pas mort. Y'a 45 à 0 frère. Ce qui me termine, je te disais ouais Viego prendre des resets c'est galère. Tu m'as dit prendre des resets avec Viego c'est galère. Mais je pense qu'il y avait raison, parce que le mec qui t'a dit dans le chat que. En fait vu que je suis habitué à jouer en chal, bah j'oublie que les mecs en face c'est pas chal quoi. Donc, en sens c'est plus simple. Putain c'est ouf hein. Oh lolo. Mais bon call de juste push hein. Et le Hellbreaker, bah c'est à carry finalement. C'est l'achat de fou. 900 gold minute. Oh la run est incroyable. Oh, t'es fier un peu ou pas quand même? Ah c'est... Écoute, j'aurais réussi au moins une fois hein. Le truc c'est... Je suis là, j'étais en train de théorie craft du Twitch, du GP, ouais, alors avec GP juste à ult au top et je push bot.
Sinon, je peux juste jouer mon meilleur champion et ça marche apparemment. C'est que no joke, je pense que c'est la plus belle run. T'es pas mort une seule fois, gros. Et voilà, il a gagné. Troisième gagnant de ce challenge. J'espère que t'as été choc-bar du nombre de kills à la minute. 45 kills, 0 mort. Il affrontera du coup les Silver. Tout simplement, au moment où cette vidéo sort, Inugami, on saura s'il a gagné les Silver ou pas. Et peut-être il aura le record du monde avant Potent, on sait pas. Dans tous les cas, merci, merci, merci les amis de continuer à regarder cette série, de que ça vous ennuie pas, et ça me fait trop plaisir, j'avais peur que ça s'essouffle, etc. C'est pas du tout le cas, vous êtes de plus en plus à suivre la série. Je vous rappelle que sur ma chaîne de VOD, vous avez tous les épisodes que vous avez manqués, c'est-à-dire que là, par exemple, j'ai mis une game sur celle-là sur YouTube, mais en tout, il y en a eu 4, et les 3 autres iront sur ma chaîne de VOD. Donc voilà, allez dans la description, dans le commentaire épinglé, tu peux venir toi-même tenter ta chance, pareil, rejoins le Discord. Merci d'être de plus en plus à regarder le contenu, il y a des gros invités qui arrivent encore, on va aller chercher des joueurs LFL, on va peut-être aller chercher des joueurs LEC, qui sait, des grands noms de la scène française et internationale, j'aimerais bien. Merci beaucoup, rejoins-nous sur Twitch, dis-moi que tu viens de la vidéo avec Bukada, ça me ferait extrêmement plaisir de t'accueillir sur la chaîne. Et le mot mais aujourd'hui, c'est coiffeur, parce que j'ai besoin d'y aller, donc si tu as vu la vidéo jusqu'au bout, mets coiffeur dans les commentaires, merci beaucoup. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.